Vous avez fait d'énormes progrès, mes élèves. Je commence presque à croire que certains d'entre vous seront un jour de bons chasseurs. Mais il est temps de séparer le bon grain de l'ivraie. Aujourd'hui, tant qu'il fera jour, nous chasserons le cerf. Sa viande, sa peau, ses bois et même ses os nous font vivre. Respectez le cerf, car c'est une créature de Dieu au même titre que nous. Vous le trouverez près de sa litière, là où l'herbe est aplatie, ou près des buissons de baies dont il se nourrit. Frappez sans hésiter, pour qu'il n'éprouve ni peur ni douleur. Et n'oubliez pas, je vais vous évaluer. Alors ceux qui m'apporteront un cerf plutôt qu'une biche seront mieux notés. Je ne peux plus ignorer l'emprise qu'Alia a sur moi. Elle est venue me voir seule alors que je parcourais l'école surplombant la vallée. Je sais que l'attirance est mutuelle. Je lui ai expliqué pourquoi je ne pouvais, ne devais pas. Pourquoi mon rôle au sein du peuple m'interdisait une telle folie. Pourquoi je ne pourrais jamais la rendre heureuse. Mais mes paroles ne pouvaient rien y faire. Tandis que je parlais, mes bras se sont tendus pour l'enlacer, nous nous sommes embrassés. Cela faisait si longtemps. Je suis toujours humain. Bien, vous êtes vivante.
On a emmené presque tous les blessés en lieu sûr, mais les envahisseurs sont revenus. Ils se sont emparés du haut village. Un groupe d'entre nous est en train d'organiser la résistance dans la vallée. Un coup de main ne serait pas de refus. Si vous repassez par le village, soyez prudent. Bonjour. Les soviétiques sont partis dans la précipitation, abandonnant plein de choses dans la vallée. Faites-en bon usage. Quand il pleut, les cerfs se regroupent sous les arbres. C'est le bon moment pour chasser, si ça ne vous fait rien d'être trempé. S'est rendu, mais les gars de l'organisation étaient là et ils ont tout vu. J'ai pas le choix. Ils les ramènent à la vieille prison ? Seulement quand ils les soupçonnent d'avoir des infos sur l'Atlas. Constantin veut leur poser quelques questions. Il emmène les autres près de la cathédrale. J'en connais un qui va passer du bon temps. C'est sûrement eux. J'espérais qu'on tirerait au sort pour décider qui s'en chargerait, mais bon. Ça fait longtemps qu'ils fait ce. Levez la tête ! Attention ! Fouillez le secteur. Vérifiez les buissons, elles peuvent être partout. J'ai joint tout ce que j'ai appris jusqu'ici. Anna et Constantin commandent les opérations sur le terrain, mais quelqu'un d'autre tire les ficelles. Quelqu'un disposant de moyens et d'une influence énorme. J'ai écrémé la liste des sources potentielles, mais j'ai du mal à avaler qu'un membre du Vatican puisse diriger une armée privée. Cela dit, tous les chemins mènent à Rome. Crois-moi, même moi je trouve ça dingue. Mais les gens doivent savoir. Et si je dois crever ici, au moins j'aurai ma conscience pour moi, pour une fois. Et Constantin, je sais que vous lisez probablement aussi ce message. Vous pouvez me faire disparaître, mais vous ne l'emporterez pas au paradis. Et juste au cas où j'aurai pas l'occasion de vous le dire en face, putain. Vous êtes complètement barge. Thank you.
Les mercenaires peuvent finir le boulot aussi. On est attendus à la base. On les laisse s'en occuper. Reçu, pas de problème. Bien reçu. Les gardes sont venus dans la nuit. Je m'en doutais. J'ai merdé quand j'ai tué le technicien de l'Esquadeco. Je savais que je n'aurais pas dû, mais c'était plus fort que moi. Les rescapés ne suffisaient pas, il me fallait quelque chose en plus. Ils m'ont emmené dans la pièce sans fenêtre. J'ai cru que j'étais mort. Et là, Constantin a débarqué. Il a pris ma tête dans ses mains en souriant. Il m'a dit qu'il comprenait. Qu'il avait été à ma place autrefois, que j'avais péché, mais que le pardon était encore possible. Je n'ai été qu'un instrument émoussé, s'agitant frénétiquement. Il m'a dit que je pouvais me racheter. J'ai un don. Il faut juste l'aiguiser. Les Trinitaires vont faire de moi une arme. Ils vont me dire où frapper. Oh, j'ai failli pleurer et lui baiser les pieds. Je vais enfin accomplir mon destin. Pour la Trinité. Pour Constantin. Ça dépend pas de lui, mais il va nous recommander tous les deux. Après, il faudra qu'on accomplisse une sorte de rituel d'initiation. C'est tout? C'est tout ce qu'il peut faire? Tu sais, il y a des gars qui ont été sous contrat pendant des années avant que les Trinitaires les initient. Il va falloir être patient.
Il n'y a pas que les performances qui comptent. Quoi d'autre ? On fait un genre de serment et après, il y a le rituel. Il a dit qu'on le saurait bien assez tôt. À la cathédrale. Ça devrait plus tarder. Le gros équipement a été livré là-bas il y a moins d'une heure. Anna est déjà sur place. Elle pense que l'Atlas est à l'intérieur. Je croyais que l'équipe de recherche avait conclu qu'il n'y avait rien là-bas. Un des prisonniers nous a montré un passage secret. Il y a des catacombes cachées en dessous. Espérons que ce soit ce qu'on cherche. Du maladie. Oh, elle détruit mon corps. Et voilà qu'à présent, elle menace aussi mon esprit. Je dérive de plus en plus. Je me perds dans mes souvenirs.
Je ne cesse de penser au jour où Lord Croft est mort. À la façon dont le plan a changé. Je pensais que nous avions échoué. Et avant ça, mes premières années chez les Trinitaires, quand j'ai appris l'histoire secrète du monde, et que j'ai découvert que c'était notre devoir de le sauver. Et avant encore, je revois mon enfance. Constantin et moi, nous n'avions que l'un pour l'autre. Puis j'arrive enfin à m'arracher au passé, à revenir au présent. J'ai toujours accompli mon devoir, et je compte bien continuer. Sous-estimé l'ennemi. Elias est mort par ma faute. Et nous sommes sans nouvelles de mon père depuis 2 jours. Nous avons besoin de tous nos effectifs pour repousser les Trinitaires. Mais il semble qu'il nous ait donné le coup de grâce avant même que le combat commence. Notre foi est toujours aussi forte, mais à quoi sert-elle contre un ennemi qui gagne en puissance de génération en génération? Si nous survivons à cette attaque, je crains que la suivante ait raison de nos enfants. Sophia, je suis presque arrivée à la cathédrale. Qu'est-ce que tu peux me dire pour m'aider à localiser l'Atlas ? Je ne sais que ce que racontent les anciens. Ça fait longtemps qu'on n'y a plus mis les pieds. Il y aurait des archives souterraines, accessibles par des tunnels qui donnent sur la grande salle. Mais c'est tout ce que je sais. Je vais aller voir ces tunnels. Fais attention. Un groupe de Trinitaires est sur place et d'autres sont en chemin.
Attention, on a perdu le contact avec les types qui ratissent le bas de la vallée. Est-ce que vous avez un contact visuel avec eux? Négatif. Des ennemis à craindre? C'est peut-être juste des interférences, mais Constantin veut en être sûr. Nous avons eu vent de l'arrivée du prophète à Constantinople, mais nous avons choisi de l'ignorer. La grande cité a toujours attiré les fous et les imposteurs se réclamant de Dieu. Nous avons entendu d'étranges histoires sur les miracles du prophète, mais nous n'avons pas cherché à le rencontrer. Et puis, nous l'avons entendu parler. La vérité limpide de son discours a déferlé sur le forum de Constantin. Il a affirmé ne pas parler au nom de Dieu, car nul ne le peut. Mais sa sagesse était infinie, et personne dans l'assistance ne doutait de ses paroles. Je dois en apprendre plus sur lui. Je dois l'entendre à nouveau.
ce qui est sous ces ruines colossales. Il faut creuser plus profond et plus vite. Les hommes prennent leurs précautions. Leurs précautions? Pourquoi? On n'a plus le temps pour ça. Et moi, je n'ai plus la patience. Avec tout le respect que je vous dois, si tous les hommes meurent là-dessus, nous sommes tous remplaçables, commandant. Ce qui compte, ce sont les résultats. Les enjeux sont trop importants. Même venant de toi, Lara. Ceci dit, je sais pourquoi tu n'as pas pressé la détente. Si tu me tues, mes hommes te pulvériseront en moins de deux. C'est bien la seule chose qu'ils savent faire mieux que toi. La ferme, Anna. On ne bouge plus. Tu ne peux pas t'échapper. Tu es là. Allez. Considère mon offre, Lara, avant qu'il ne soit trop tard. Il est trop tard depuis le moment où t'as trahi ma famille. C'est moi qui pars avec l'Atlas, Anna. Il y a quelque chose qui est en train de massacrer mes hommes, Lara. S'ils n'ont pas réussi à le trouver, tu ne le trouveras pas. Va te faire foutre. Croft arrive vers vous. Tu es là, et rapportez-moi cette saleté d'Atlas. Croft continue à nous mettre des bâtons dans les roues. Elle a rejoint les gens de la vallée dans leur cabane sordide et les a aidés à remporter une série de victoires. Oh, j'aimerais pouvoir lui faire comprendre à quel point elle se trompe. À quel point son idée de la moralité est fausse. Le monde est trop corrompu pour prendre des demi-mesures. Il ne peut pas être sauvé par une héroïne solitaire. L'idée de dévoiler l'existence de la source divine serait risible si elle n'était pas aussi dangereuse. Ai-je vraiment pensé qu'elle pouvait servir la cause des Trinitaires un jour? Oui. Mais plus maintenant. Nous étions proches, elle et moi. Le lien est toujours là. Mais je n'ai plus le choix à présent. Elle doit être éliminée. Et je sais que c'est possible. J'ai déjà brisé des ennemis plus coriaces. Le voilà. C'est forcément ça.
J'ai devancé Anna. Mais je ne sais pas dans quoi j'ai mis les pieds. Il y a quelque chose d'autre qui évolue dans l'obscurité de cet endroit. Quoi qu'il en soit, je dois continuer. Je suis trop près du but. Anna pense me connaître. Et c'est peut-être le cas d'une certaine manière. Mais elle ne sait pas tout, et tant qu'elle continuera à me sous-estimer, j'aurai une chance de garder l'avantage. Une vieille fresque. Et tous ces contenants. Du feu grégeois. Les soldats immortels du prophète. Armés du feu grégeois. Ils étaient impitoyables. Ah, oh, cette odeur. Oh non, brûlé vif. Bon sang! Pas comme ça! Je peux pas! Pas comme ça! Mal! Quoi? C'est pas... Oui! Oui, merci! Merci! Qui a bien pu faire ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ces contenants sont toujours pleins. Si je pouvais y mettre le feu... Voici maintenant un mois que je fréquente le Forum pour écouter le prophète. Je porte les vêtements de la plèbe, car il ne siérait pas au fils d'une grande famille d'être vu en ce lieu. La rumeur court que les nobles et les hommes d'église de l'Occident cherchent à faire taire le prophète. Je ne peux qu'écouter et rapporter les paroles du grand homme. Nul n'a jamais dit la vérité sur Dieu, car nul ne la connaît. La foi du paysan ou du soldat est plus sacrée que celle de tous les seigneurs et empereurs. Ceux qui prétendent parler au nom du Créateur nous mentent. Aucun homme ne peut parler pour lui, car sa voix est dans le ciel, dans l'eau et dans tout ce qui nous entoure.
unitaires. Ils sont là. Cible verrouillée. Feu. Les autres équipes ne sont pas en position. C'est tant pis. Mais il faut sécuriser la cible avant qu'elle nous échappe. Attention, termites. Posez les charges. Allez, allez. Contact. Éloignez-vous. Restez près de moi. Tuez la fille. Même touchez à l'objectif.
Oh non. Tu souffres. Assez pour faire sauter tout cet endroit. Faut que je me grouille. Là, je l'ai vu. Ok, je crois que j'ai trouvé une sortie. La statue n'est pas stable. Il va falloir que je me serve du feu grégeois. Il y a sûrement d'autres contenants de feu grégeois. Il faut que je les trouve.